Je vais devoir manger 24 heures dans des fast-food. Je suis le premier client de la journée. Oh, j'ai vécu un truc de dingue. Je vais prendre ta chambre et toi tu vas aller dans ma chambre, ok? J'ai dû supprimer ce que j'avais filmé et tout. Salut! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage! Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve avec... nouvelle vidéo, alors vas-y, commence. Donc aujourd'hui, j'ai lancé un défi à Esteban. Alors elle m'a lancé un défi. Quel est ce défi, Lily Rose? Alors demain, tu vas devoir aller à Lille et tu vas devoir manger pendant 24 heures que de la nourriture qui vient de fast-food. Je vais devoir manger 24 heures dans des fast-food, donc ouais. McDonald's, tout ça, etc. Donc Lily Rose m'a lancé ce défi. Et surtout, pourquoi tu me lances ce défi? Parce que c'est un peu spécial. Alors, bah, elle va pas savoir répondre, mais en gros, nous avons une chaîne secondaire qui s'appelle Pink Lily Life, qui est dans la description, Pink Lily Life, où vous allez... Et Esteban aimerait bien lancer sa chaîne, du coup, il fait une vidéo sur Pink Lily Video pour, pour lancer. Donc en fait, je vais faire des vidéos sur Pink Lily Life, et du coup, je vous montre de quoi je suis capable sur cette vidéo. Donc allez, c'est parti, on se retrouve demain matin pour le défi 24 heures manger des hamburgers, enfin, et d'ailleurs... J'aimerais bien que pour le challenge, tu manges à chaque repas un hamburger. T'es sûr? Oui. Non, non, je vais pas faire ça. Je vais faire ça. Bon, on va voir à tout de suite, oui. A few moments later. Donc voilà les amis, alors là on se retrouve le lendemain matin parce qu'on a filmé ça hier en fin d'après-midi. Donc là nous sommes samedi et il est 8h30, donc je vous avoue que ça pique énormément de se réveiller. Parce que aujourd'hui, comme vous le savez, on va faire 24 heures manger fast food. Et surtout je vais aller à l'ouverture du McDonald's pour prendre mon petit déjeuner. Donc le McDonald's ouvre à 9h, donc on va aller à celui de Lille parce qu'on habite à Lille, voilà, vous avez compris. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour ça. J'espère que vous avez mis le petit like, hein. Je compte sur vous, le petit commentaire, et que vous vous êtes abonné. Allez, c'est parti. Ah oui, Lily Rose ne vient pas avec moi, hein, parce qu'elle m'a lancé le challenge, mais elle veut pas le faire. Allez, à tout de suite, c'est bon. Donc voilà, donc je suis enfin arrivé. Alors là il doit être un truc comme 9h30, j'ai pas regardé l'heure, mais je suis le premier client de la journée quasiment. Donc là regardez, il y a carrément personne, et en plus dans ce McDonald's là, il y a carrément un truc comme 4 étages. Donc si vous voyez pas, c'est vraiment sur la grande place de Lille. En vrai c'est super beau, hein, voilà. Et regardez ce que j'ai pris. Alors je vais vous montrer en détail, hein, parce que là ça va être super bon. Alors je vous conseille, hein, de venir le matin, parce qu'en général il y a personne, c'est tranquille, vous êtes les seuls. Alors j'ai pris un petit café viennois comme ça. Alors ensuite j'ai pris un hamburger. Alors ça c'est l'hamburger du matin, parce qu'il n'y a pas toute la carte le matin. Il n'y a que des trucs comme ça. Donc c'est un truc avec du bacon, un hamburger, hop le focus. Est-ce que ça va le faire? Oui ça va le faire. Du cheddar et tout, donc c'est trop bon. Ensuite des pancakes, bon je pense que vous voyez ce que c'est. Du Nutella, comme ça. Regardez, le petit Nutella. Et avec du sucre, des... Oula, c'est n'importe quoi. Et par contre, sur la route, c'était horrible. Regardez, je suis venu en trottinette carrément parce qu'on habite pas trop loin. Enfin, quand même, hein, j'ai mis au moins 30 minutes. Regardez mon pantalon. Je sais pas si vous allez voir, mais il est absolument dégueu. Il est tout sale, j'ai dû rouler dans la terre et tout. Donc c'est dégueu, mais en tout cas, on profite bien, tu vois, de la vue, tout ça, on est seul. Ça fait plaisir. Et en tout cas, bah attends, je sais pas si je vais vous faire un peu visiter. Non, je vous fais pas visiter, mais on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Alors comme je vous ai dit, je vous ai pas menti, regardez, il pleut à mort. Enfin, là on voit pas trop avec la vitre, mais il pleut. Regardez, il y a des gens avec des parapluies là. Donc regardez, je vais vous montrer. Oh, oh, oh. Alors, donc là c'est le bilan. Alors vous inquiétez pas, je vais pas faire que ce fast food. J'ai prévu d'aller au moins au KFC, peut-être Burger King, peut-être d'autres choses, parce que je compte bien goûter, manger des trucs. Donc j'en ai eu pour 6,60€. Alors, en vrai ça va, c'est pas trop cher. Donc c'est vraiment pas mal, je vous conseille de faire. Mais surtout, j'ai trop faim pour la suite. Mais bon, ils m'ont toujours pas donné mon jus d'orange parce qu'ils avaient pas préparé la machine. Donc je vais aller le chercher tout de suite et on se retrouve pour la suite de la dégustation ou ailleurs, je sais pas. J'espère qu'on va faire plein d'autres choses, c'est parti. Alors là, je sais pas si vous voyez bien, mais Ali, c'est le marché de Noël. Donc il y a une grande roue et tout. Et surtout, c'est pas pour ça que je vous ai repris. Parce que là, c'est l'heure de faire... Ouh là, la caméra, vous voyez pas grand-chose. C'est l'heure de faire rager Lily Rose. Parce qu'elle m'a lancé ce défi en croyant que j'allais pas aimer. Parce que c'est vrai que d'habitude, j'aime pas trop manger dans les fast-food et tout. Du
Du coup, je vais l'appeler carrément pour la faire rager. Je vais lui montrer ça parce qu'elle adore. Donc, on se retrouve tout de suite. Bon, là, je commence à m'étaler dans le McDonald's. Hein, j'ai posé mon trépied sur la table et tout. Donc, c'est n'importe quoi. Bon, allez, à tout de suite. On se retrouve pour la faire rager. J'espère qu'elle va pas aimer hein, quand même. Alors là, il y a un problème. Lily Rose ne répond pas. Du coup, je lui ai envoyé une photo de mon plateau comme ça. Et devinez ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a répondu espèce de bolos. C'est du grand n'importe quoi. Bon allez, à tout de suite, cette fois c'est terminé pour McDonald's. Voilà, donc c'était très bon. Alors, même si j'ai pas terminé, parce que bon, je vais vous laisser, on se retrouve pour le restaurant suivant, c'est parti. J'espère que vous allez me suivre, que vous allez mettre un pouce bleu et tout. Donc c'est parti. A few moments later. Donc voilà, donc là on se retrouve pour le deuxième. Donc regardez la taille du ticket de caisse. Pourtant j'ai pas pris grand chose, j'ai pris que ça. Donc j'ai voulu prendre plusieurs petits articles, même si le challenge de Lily Rose m'avait dit que je devais prendre que des hamburgers ou un truc comme ça. De toute façon je vais pas respecter hein. Donc je sais pas si vous connaissez, j'ai pris le classique hein, voilà, les petits poulets comme ça. Alors ça je connaissais pas. Donc je vais vous montrer, c'est une espèce de maïs un peu bizarre comme ça. Alors les classiques popcorn, donc j'ai pas précisé hein, on est au KFC. Donc le dernier, celui de ce soir, je sais pas encore ce que ça sera. Je vais me balader, je vais bien voir. En tout cas restez bien jusqu'à la fin pour voir ça, parce que c'est un challenge qui est un peu difficile quand même, parce que j'ai plus faim du tout avec tout ce que j'ai mangé ce matin. Alors une boisson classique ça, et je vous dirai ce que j'en pense. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, donc là j'ai tout déballé, donc on se retrouve avec ça. Alors il n'y a pas énormément de choses, mais j'ai pris plein de petits articles. Donc le maïs, ça ressemble à peu près à ça. Alors j'ai jamais goûté, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est des classiques petits trucs comme ça. Et on verra bien, voilà, je vous donnerai mon avis vers la fin. Et c'est pas fini parce qu'après on a encore d'autres trucs à voir. Je vais peut-être me chercher un goûter quelque part après. Donc c'est parti pour la dégustation. Oh punaise. A few moments later. Alors là, salut les amis, donc là je suis rentré à la maison. Alors vous inquiétez pas, restez bien sur la vidéo. Chut, la porte qui grince. Aujourd'hui j'ai vécu un truc de dingue. Alors surtout restez bien parce que je vais vous raconter. Alors vous dites, ah pourquoi il est pas au restaurant, pourquoi il est pas dans un dernier fast food et tout, tu vas manger quoi le soir? Mais alors justement j'ai une histoire de dingue à vous raconter par rapport à ça. Attendez, je m'assois 2 minutes. Alors ce qui s'est passé, c'est que, alors je rentre dans un fast food. Alors je vais pas dire le nom et tout parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes, mais je rentre, je commande, et comme d'habitude, après je m'assois à l'étage et tout, et là je sors mon l'appareil photo, et là il y a quelqu'un qui vient me voir, qu'est-ce que vous filmez monsieur? Du coup là je me suis dit, ok bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite ils m'ont dit, vous pouvez pas filmer, est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez filmé et tout? Donc là les amis, j'ai dû tout supprimer, j'ai dû supprimer ce que j'avais filmé et tout. Bon j'avais filmé 10 secondes hein, le temps qu'ils viennent me voir. Donc encore une fois je dirais pas ce que c'est. Donc faites attention si vous filmez pour des vidéos YouTube ou si vous filmez pour vous, pour Instagram ou quoi, à ce que vous faites. Mais du coup c'est pas fini les amis, parce que à la place de ça je vais vous montrer un truc de dingue. Parce qu'il s'est passé ça, j'avais pas du tout prévu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pranker Lily Rose et je vais lui dire un truc au téléphone. Donc restez bien, c'est parti. Donc là voilà les amis, alors regardez qui j'ai au téléphone. Alors j'ai qui? Lily Rose. Lily Rose de la chaîne Pinkly Vidéo. Alors Lily Rose, je suis désolé, je dois te dire un truc. Quoi? Je sais pas si tu vas être contente ou pas, mais tu sais ce qui va se passer ou pas? Ouais. Alors là je suis désolé Lily Rose, mais je vais prendre ta chambre. Et toi tu vas aller dans ma chambre, ok? Allez, je commence à tout changer. Je commence à... Si, je commence à tout prendre. Mais, oula. Si, Lily Rose, je suis désolé, mais moi j'ai besoin d'une chambre et tout pour faire des vidéos aussi. Alors là, elle s'énerve et tout. Mais tu peux rien faire parce que t'es pas à la maison. T'es pas à la maison. Du coup elle rage, du coup je vais vraiment faire ça. Je vais vraiment faire ça, alors surtout les amis soutenez-moi. Et attends, tu sais ce que c'est là? Ça je vais le montrer dans une autre vidéo, mais là c'est l'heure de quoi? C'est l'heure de la bulle magique, allez. Dis des prénoms de la bulle magique. Allez, fais-le. Merci à qui? À qui? À Younes. Adeline. Roman. Et qui? Et Amy. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à quoi? À commenter, à vous abonner. Elle a raccroché carrément. Bye.